Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance régulière de la MRC du mois de mai 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Normand Tisdale, je suis maire de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Et, excusez, également, je suis préfet suppléant. Puis ce soir, je remplace la préfète, Mme Nadeau, qui est chez elle pour cause de COVID. Donc, ça me fait plaisir d'animer la séance avec mes collègues ce soir. Je tiens également à souligner la présence parmi nous de nouveaux visages. Alors, il y a Mme Renée Trudel, qui est la représentante de Belleuil. Mme Colette Dubois, qui est la représentante de Chambly. Bonsoir. Et nous avons M. Michel Cormier, qui est le représentant de Saint-Jean-Baptiste. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir, bienvenue parmi nous. On a un absent ce soir, M. Chalifoux, le maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui est, on m'a dit, à Rimouski, dans le cadre des assises des plus beaux villages du Québec. À Rivière-du-Loup. Merci de la précision. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Veuillez noter qu'il y a un retrait, le point 8.3.2.2, qui est relatif au PPC-MOI de la municipalité de Chambly. PPC-MOI, c'est le plan particulier de construction et de modification et d'occupation d'un immeuble. Donc, Chambly n'était pas prêt ce soir à nous présenter ça. Alors, quelqu'un fait la proposition d'adoption de l'ordre du jour. M. Bertillon, appuyé par M. Dulac. Merci. Alors, nous en sommes rendus aux interventions de l'assistance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Bonsoir, messieurs, dames. Monsieur le préfet suppléant, ça me fait beaucoup de plaisir de voir ici. C'est le fun. Parfait. Bien, pour le bénéfice de tout le monde, votre nom? C'est Ferdinand Bernard. Merci. C'est pas la première fois depuis 25 ans que je viens ici. Oui, mais c'est pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous. Ah, d'accord. Excuse, madame. C'est que, voyez-vous, il y en a qui en parlent, il y en a qui le font. Tantôt, j'ai entendu quelqu'un, on parlait du pissenlit. Enfin, ce soir, j'ai soupé une salade de pissenlit. C'est peut-être pas le même que dans votre champ, là, parce qu'il y en a de cultivés. Moi, j'en cultive, puis je mange du cultivé. C'est pas exactement la même sorte, mais c'est la même famille, c'est la même chose. Donc, il y en a qui en parlent, il y en a d'autres qui en font. Il y en a de même pour l'écologie. Vous avez vu, là, l'environnement, ces nouveaux maires loups, comme ils s'appellent, la Radio-Canada? Ces nouveaux maires-là qui sont pour l'environnement, en avez-vous parlé? Entendu parler, j'espère? Eux autres, ils sont pour la densité, parce qu'ils sont pour l'environnement. C'est ça qui est très, très curieux, parce que chez nous, on prétend avoir un maire qui est pour écologique, mais ils en parlent, mais en réalité, c'est pas ça pantoute, parce qu'ils sont pas pour la densité. La première fois que je me suis présenté à la mairie, un journaliste, première question qu'il me pose, première remarque plutôt, il dit, comment ça se fait que vous osez vous présenter à la mairie, vous n'avez jamais manifesté contre la densité? Monsieur Bernard, c'est vrai. Monsieur Bernard, je vais vous rappeler un petit peu à l'ordre. Si vous avez une question adressée en rapport avec la MRC, les activités de la MRC, je vous prierai de la formuler. Oui, la question, c'est ça. Est-ce que vous êtes réellement pour l'environnement? Où est-ce qu'on en parle? Bien, la réponse est oui. L'environnement préoccupe tous les membres de la MRC. À preuve, la dernière séance, on a fait l'acquisition, en fait, une résolution pour l'acquisition d'un véhicule électrique pour nos employés. On a fait aussi des démarches pour améliorer notre efficacité du bâtiment. Également, on met en place différentes actions pour la collecte des ordures ménagères, la récupération, l'organibac, etc. Donc, oui, on est favorable à l'environnement, puis toutes les maires, mairesses qui sont autour de la table s'investissent également, je suis convaincu, dans leur municipalité pour le mieux-être de l'environnement. Parce que vous savez, le premier sujet que le nouveau maire, Mont-Saint-Hilaire, avait à traiter, c'est des maisons délabrées qui étaient des nouvelles maisons qu'on a faites au village de la Gare. Oui. C'est une place complètement inadéquate de faire des maisons. Elles sont en train de tomber en morceaux. Et puis parce qu'ailleurs qu'on aurait pu construire des maisons où c'est plus solide, comme la fameuse zone A16, là, on ne veut pas faire des maisons. Je ne voudrais pas qu'on rentre dans des débats qui regardent certaines municipalités.
si... C'est un exemple. Oui. Donc, ça a répondu à votre question au niveau de la MRC. Merci, M. Bernard. Madame Hamel, est-ce que nous avons reçu des questions du public? Non, on n'a pas reçu de questions en ligne pour le moment. Merci. Donc, nous allons procéder maintenant avec le point 4, qui sont les affaires du Conseil. Alors, je vais demander à mon collègue, M. Cormier, de nous faire part d'une résolution concernant une nomination pour le développement social de la vallée du Richelieu. Donc, bonsoir. Ce point fait suite au point 3.1 de la séance préparatoire du 5 mai 2022. Si les membres du Conseil se disent favorables, la proposition suivante pourrait être déposée. Attendu que des membres du Conseil représentant la MRC de la vallée du Richelieu participent activement à divers comités, tables de concertation ou organismes partenaires. Attendu que, lors de la séance du 24 novembre 2021, par l'adoption de la résolution numéro 21-11-368, Mme Marilyn Nadeau, préfète et mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, a été nommée à titre de représentante du milieu rural, du conseil de la MRC VR, et Mme Julie Lucier, mairesse de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, a été nommée à titre de membre substitut au sein du regroupement pour le développement social de la vallée du Richelieu. Attendu qu'il y a lieu de modifier cette représentativité afin que Mme Lucier soit nommée à titre de membre du milieu rural représentant le conseil de la MRCVR et Mme Nadeau à titre de membre substitut. Attendu qu'aucune modification n'a lieu au niveau de la représentativité du conseil de la MRCVR quant au milieu urbain au sein du RDSV. En conséquent, il est proposé par moi-même et résolu que Mme Julie Lucier, mairesse de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, soit et est nommée à titre de membre représentant du milieu rural du conseil de la MRC de la vallée du Richelieu et que Mme Marilyn Nadeau, préfète et mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, soit et est nommée à titre de membre substitut pour le milieu rural au sein du regroupement pour le développement social de la vallée du Richelieu. Donc, la proposition est faite par M. Cormier. Est-ce qu'il y a un appui à M. Merquès? Merci. Le point 4.2 maintenant, le procès-verbal, donc l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril. Alors, vous en avez pris connaissance. Si c'est conforme, ça me prendrait un proposeur puis un appuyant. M. Yves Lessard propose, appuyé par Mme Mélanie Villeneuve. Merci. Point 5, maintenant, au niveau des affaires courantes, nous allons passer une résolution concernant le dossier d'une demande d'aide financière des gens qui s'appelle Gens au travail, donc mieux connu sous le nom de Meubles et tout. En fait, ce qu'on va faire, je vais demander à Mme Hamel de nous faire la lecture de la résolution, mais peut-être une petite mise en contexte, c'est qu'on avait, par résolution, accordé une aide financière à l'entreprise Gens au travail. Mais comme ils sont actuellement en restructuration, nous avons jugé à propos, le Conseil a jugé à propos d'abroger la résolution qui avait été faite. Ce n'est pas qu'on est contre une subvention à cet organisme-là, c'est qu'ils sont en restructuration. Et dans un avenir rapproché, nos deux organisations, soit les gens au travail ainsi que la MRC, on aura à se rencontrer pour voir ensemble les besoins de cet organisme-là et ça n'exclut pas une autre demande de subvention qui pourra avoir lieu à ce moment-là. Mais pour ce soir, on considère qu'il est pertinent d'abroger la résolution qu'on avait déjà passée à cet effet. Alors, Mme Hamel, s'il vous plaît. Oui, donc, attendu la résolution numéro 2203-103 relative au soutien financier d'un montant de 18 000 $ à la Corporation Gens au travail de la vallée du Richelieu, donc Meubles et tout, et à l'accompagnement dans la transformation de l'organisation qui avait été adoptée par la MRCVR lors de la séance du 24 mars 2022. Attendu que les projets et intentions de la Corporation ont pris une autre direction depuis la présentation de ceux-ci au Conseil de la MRC de la vallée du Richelieu. En conséquence, il y a donc
donc lieu d'annuler et d'abroger la résolution numéro 2203-103. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur afin que soit annulée et abrogée la dite résolution et que, conformément aux dispositions de l'article 201 du Code municipal du Québec, qu'une mention soit écrite à cet effet en marge du livre de délibération à l'endroit de cette résolution et qu'une copie soit transmise à Corporation Jean au Travail également. Merci. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Bertillon, appuyé par Madame Dubois. Merci. Point 6, maintenant, ressources financières et matérielles. Alors, nous allons passer à une résolution pour adopter le rapport d'activité du Fonds Région et Ruralité, volet 2, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020. Alors, ça se lit comme suit. Attendu qu'une convention a été signée entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la MRC de la Vallée du Richelieu le 24 mars 2020, relativement à l'entente Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2025. Attendu que dans le cadre de cette entente, la MRC doit réaliser une reddition de compte qui comprend la rédaction d'un rapport d'activité du fonds, et ce, pour chacune des années d'application de l'entente. Attendu qu'une reddition de compte couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, incluant un rapport d'activité du fonds, doit être déposé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, si vous êtes d'accord, il sera résolu d'adopter le rapport d'activité du fonds Région et ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, tel que déposé, et de déposer ledit rapport au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour fin de reddition de compte avec une copie de la présente résolution et de publier le rapport d'activité sur le site Internet de la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, si vous êtes d'accord, ça me prend un proposeur. M. Bousquet, appuyé par M. Dulac. Merci. Nous en sommes rendus maintenant au point 6.2, qui est le bordereau des comptes à payer. Alors, je vais demander encore une fois à Maître Hamel de nous en faire part, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est... Il sera proposé et appuyé par, pour le premier montant, donc un montant de 40 122,81 $, qui est relatif aux services d'évaluation des municipalités qui sont régis par le Code municipal du Québec, qui sont inclus au bordereau de compte à payer numéro 1905 du chèque numéro C00246662, des paiements en ligne numéro L22-6660 et L22-0073, des paiements par dépôt direct numéro P22-00230 à P22-00298 et des paiements par carte de crédit numéro V22-0049 à V22-0061. Pour qu'il soit adopté tel que présenté par la greffière trésorière, donc pour cette adoption et cette proposition, j'aurai besoin des municipalités qui sont régies par le Code municipal, à savoir McMasterville, Saint-Antoine est absent, donc Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Belleuil, le préfet suppléant est... Pas en ce moment. Donc, pour les municipalités, autrement. Monsieur Bouchier a fait la proposition, appuyée par Saint-Jean-Baptiste, qui est dans le code. Oui. Monsieur Cormier. Parfait. Pour les 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 prochaines résolutions, ça pourrait être proposé et appuyé en bloc, là, adopté si tout le monde est d'accord avec ça. Donc, c'est un montant de 204 311,37 $ qui est relatif aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables, inclus au même bordereau de compte que précédemment le mentionné. Également, un montant de 294 533,64 $ relatif aux dépenses qui concernent la collecte des matières ultimes. Un montant de 127 997,28 $ qui est relatif aux dépenses qui concernent l'écocentre régional. Un montant de 152 793,13 $ qui est relatif aux dépenses qui concernent la collecte des matières organiques. Et un montant de 245 639,80 $ qui est relatif aux dépenses qui concernent la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud. Donc, pour une adoption en bloc, ce serait les villes de Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belleuil qui seraient concernées. Alors, M. Gertin propose ainsi que M. Dulac appuie. Parfait.
À la suite de ça, il y a un montant de 3 850 qui est relatif aux dépenses qui concernent l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, donc l'APAM, inclus au même bordereau de compte que précédemment mentionné également, ce qui concerne Chambly, Saint-Antoine qui est absent, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Marc-sur-Richelieu. Alors, M. Bousquet a fait la proposition appuyée par Mme Dubois. Merci. Parfait. Et ensuite, le montant de 9 114,07 $ qui est relatif aux dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la vallée du Richelieu, inclus au même bordereau de prix également, donc qui concerne les villes et municipalités de Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Ottobon Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Belleuil également. Alors, Mme Villeneuve propose, appuyée par M. Marquez. Parfait. Et le dernier, donc un montant de 791 417,41 $, donc qui est relatif aux dépenses générales qui sont assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC de la vallée du Richelieu, inclus au même bordereau de compte à payer 1905. Donc, quelqu'un fait la proposition? M. Lessard, appuyé par M. Berthiaume. Merci, Maître Hamel. Ça me fait plaisir. Ça nous amène au point 7, comité de la MRC, le 7.1. Une résolution pour adopter les comptes rendus des réunions du 17 février 2022 ainsi que du 2 mars, 10 mars et 17 mars 2022 du comité sur les investissements. Alors, si quelqu'un est prêt à Madame Lucier propose, appuyée par, pas tous en même temps, Monsieur Dulac, merci. Alors, le point suivant, c'est le point 8.1, qui est une résolution pour faire une demande de délai auprès du ministère des Affaires municipales de l'Habitation concernant notre révision du schéma d'aménagement. Donnez-moi 30 secondes, je vais retrouver la résolution. Alors, peut-être une petite mise en contexte. Pourquoi on fait ça? C'est que il y a plusieurs éléments qui doivent être pris en considération lorsqu'on fait la révision d'un schéma d'aménagement. C'est quelque chose d'important. C'est ce qui nous guide pour les prochaines années. On a l'obligation, tous les 5 ans, selon le ministère, de faire la révision des schémas d'aménagement, mais compte tenu qu'il y a encore du travail qui doit être accompli, compte tenu qu'il y a eu des élections au mois de novembre 2021 et que nous avons des nouveaux maires, mairesses, on croit approprié de donner la chance à ces gens-là de voir vraiment qu'est-ce qui contient le schéma d'aménagement, bien le comprendre, quels sont les processus qu'on veut mettre en place pour la révision. Donc, on demande un délai au ministère pour que ce travail-là puisse se terminer puis permettre aux élus, aux nouveaux élus, de s'approprier de la démarche ainsi du contenu du schéma d'aménagement. Alors, c'est dans cette optique que la MRC a, par l'adoption de la résolution numéro 20-05-242, débuté la révision de son schéma d'aménagement le 21 mai 2020, attendu que certains travaux relatifs à cette révision ont été retardés en raison de la pandémie de COVID-19, attendu que plusieurs maires et mairesses siégeant au conseil de la MRC ont nouvellement été élus à la suite des élections municipales du 7 novembre 2021, et qu'il souhaite s'approprier du dossier avant de poursuivre les travaux de révision. Attendu que le premier projet de révision du schéma de troisième génération ne peut être adopté dans un délai initial de 2 ans tel que prévu à l'article 56.3 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme. Attendu qu'en vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation peut, à la demande d'un organisme compétent, prolonger ce délai. Alors, si vous êtes d'accord, il sera résolu que la MRC de la vallée du Richelieu demande au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation une extension de délai de 1 an pour adopter le premier projet de révision du schéma d'aménagement et de développement troisième génération. Alors, quelqu'un est prêt à en faire la proposition? M. Gertin, appuyé de Mme Lucier. Merci. Ça nous amène maintenant au point 8.2,
qui est un règlement de contrôle intérimaire sur le territoire de la ville de Carignan. Ben, je vais demander à mon collègue, M. Merquez, de nous en faire part, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Bonsoir. Donc, il s'agit de mettre en place un règlement de contrôle en vigueur pour la zone de l'ancienne carrière à Carignan. Donc, je vais faire lecture de la résolution. Attendu que l'article 15 de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, prévoit qu'une MRC doit élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de son territoire, dans une perspective de gestion intégrée de l'eau pour tout bassin versant concerné. Attendu que l'article 15.5 de cette loi prévoit qu'une MRC veille à assurer la compatibilité de son schéma d'aménagement et de développement avec le plan régional et que celle-ci propose toute modification utile au schéma d'aménagement en vue de mieux assurer cette harmonisation. Attendu que la MRC de la vallée du Richelieu doit également prendre des mesures de contrôle intérimaire appropriées selon les règles prévues par cette loi afin d'assurer cet exercice de compatibilité. Attendu que la MRC a amorcé le 20 août 2020 la réalisation d'un plan régional sur les milieux naturels qui doit définir des priorités de conservation en fonction de la vulnérabilité écologique des milieux identifiés. Attendu que la MRC a également amorcé la révision de son schéma d'aménagement le 21 mai 2020, conformément à la résolution numéro 2005-242, dans le but d'adopter un schéma d'aménagement de troisième génération. Attendu que, conformément à la résolution numéro 2005-243, la MRC a donné un avis de motion afin de prévoir l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire visant à protéger certains éléments d'intérêt écologique dans le cadre de l'élaboration du schéma d'aménagement de troisième génération. Attendu qu'un corridor forestier de très grande valeur écologique est déjà identifié et reconnu au schéma d'aménagement par l'affectation conservation 274 et dont son niveau de protection pourrait être rehaussé à la lumière des récentes études environnementales réalisées dans ce secteur. Attendu qu'une partie de ce corridor identifié en tant que corridor forestier du Mont-Saint-Bruno est un maillon essentiel d'un projet de conservation écologique parrainé par l'organisme NatureAction Québec. Attendu que le gouvernement du Québec a déjà reconnu une partie significative de ce secteur en tant que réserve naturelle du ruisseau Robert. Attendu, malgré le statut de protection de certaines parties de ce corridor, des interventions pourraient compromettre l'intégrité écologique de cet écosystème, particulièrement à l'intérêt de l'affectation conservation 274 identifiée au schéma d'aménagement à Carignan. Attendu pour prévenir des interventions incompatibles susceptibles de compromettre l'intégrité écologique de ce secteur, la MRC a reçu la résolution de la ville de Carignan qui demande d'adopter des mesures de contrôle intérimaire visant ce secteur, puisqu'il est nécessaire d'attendre qu'une réflexion complète soit effectuée sur la gestion de ce milieu naturel d'intérêt écologique. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, permet à la MRC, qui est en processus de révision de son schéma d'aménagement, d'adopter de façon temporaire toute mesure nécessaire afin de restreindre une utilisation du sol, construction ou opération cadastrale susceptible de ne pas être en accord avec les nouvelles orientations du schéma d'aménagement en cours de révision. Attendu que la MRC a adopté le 24 février 2022 une résolution de contrôle intérimaire à cet effet. Attendu qu'un avis de motion annonçant l'adoption du présent règlement a été donné le 24 février 2022, attendu qu'une copie du projet de règlement ait été transmise par avis aux membres du Conseil le 5 mai 2022, attendu que le Conseil de MRC doit désigner la fonctionnaire responsable de l'application du règlement. En conséquence, je propose que le règlement de contrôle intérimaire numéro 89-22 relatif à la protection d'un territoire écologique à Carignan soit et adopté tel que proposé, déposé, que la conseillère ou conseiller en aménagement conf de la MRC de la ville du Richelieu soit nommée responsable régionale de l'application du dit règlement. OK. Vous
pouvez prendre votre souffle maintenant. Mais là, ça prend quelqu'un pour m'appuyer. Quelqu'un va vous appuyer, peut-être, M. Gertin. J'ai pas mis ça pour rien, quand même. Monsieur Gertin appuie. Merci. Merci. Nous passons maintenant au point 8.3, un avis de conformité concernant certains règlements d'urbanisme. Les deux points suivants concernent la ville de Belœil par rapport à des PPC mois. Donc, je vais demander à ma collègue, Mme Trudel, de nous en faire part, s'il vous plaît. Certainement. Alors, la ville de Belœil, par sa résolution numéro 2022-04-137, a adopté un projet particulier de construction PPC mois situé au 231 rue Brion. Il s'agit d'un bâtiment qui est occupé par le Centre de femmes l'Essentiel, donc qui veulent ajouter à l'extérieur des structures pour mieux profiter du beau temps, on l'espère. Et ce Centre de femmes l'Essentiel et sa vocation vient en aide aux femmes et à leurs enfants qui sont victimes, malheureusement, de violences conjugales. Alors, attendu que cette résolution doit être approuvée par la MRC de la vallée du Richelieu, selon le règlement numéro 88-22, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi, attendu que le projet de PPC Mois a pour objet de permettre la classe d'usage P2 institutionnel et administratif, ainsi qu'un projet de pavillon et cuisine extérieure pour l'immeuble qui est situé au 231 rue Brion, le lot numéro 4554-604. Attendu qu'à la suite de l'étude de la résolution numéro 2022-04-137, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRCVR recommande au conseil de l'approuver. Attendu que le conseil de la MRCVR est d'avis que la résolution numéro 2022-04-137 est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Je propose que la résolution numéro 2022-04-137 d'un PPC mois de la ville de Belœil soit et est approuvée par la MRC de la vallée du Richelieu. Est-ce que quelqu'un appuie Mme Trudel dans sa démarche? Mme Lucier. Merci. Merci. Alors, vous continuez, Mme Trudel, avec le point suivant. Oui, je le cherche à tenter. J'ai avancé trop vite dans mon document. Désolée. Alors, dans le quartier, dans le secteur industriel de Belœil, c'est un projet de rénovation, d'agrandissement, pardon, pour l'entreprise Transdev. Attendu que la ville de Belœil, par sa résolution numéro 2022-04-138, a adopté un PPCMOI pour les immeubles situés au 1400 et 1500 rue Louis-Marchand pour un projet de construction et d'agrandissement. Attendu que cette résolution doit être approuvée par la MRC de la vallée du Richelieu selon le règlement numéro 88-22 régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi. Attendu que cette résolution a pour objectif de permettre la construction d'un bâtiment principal au 1400 rue Louis-Marchand et un agrandissement au 1500 rue Louis-Marchand. Attendu qu'à la suite de l'étude de la résolution numéro 2022-04-138, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRCVR recommande au conseil de l'approuver. Attendu que le conseil de la MRCVR est d'avis que la résolution 2022-04-138 est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire, je propose que la résolution numéro 2022-04-138 d'un projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble de la ville de Belœil soit et est approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Est-ce que quelqu'un appuie Mme Trudel? Monsieur Marquez. Merci. Merci. Nous continuons maintenant avec la ville de Chambly au point 8.3.2. Je vais demander à Mme Dubois de nous faire part de la résolution concernant une modification d'un règlement. Parfait. Merci beaucoup, M. Tisdale. Donc, le point 8.3.2.1, ce règlement a pour objet de modifier le règlement numéro 27-1353 sur les permis et certificats afin d'introduire l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour des travaux de branchement aux services municipaux, de préciser les conditions d'émission d'un permis de construction et de hausser la période de validité d'un certificat d'autorisation pour la démolition. En bref, c'est le règlement qui nous permet de s'assurer, à l'aide d'un permis, que les nouveaux branchements sur notre réseau sont bien réalisés et conformes à nos exigences. Auparavant, l'inspection était faite de manière informelle et les raccordements
ne demandait pas de permis. En conséquence, il est proposé par Colette Dubois et résolu que le règlement numéro 2022-1353-02A, modifiant le règlement numéro 27-1353 sur les permis et certificats de la ville de Chambly, soit et est approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Merci. Est-ce que quelqu'un appuie Mme Dubois? Monsieur Marquez, merci. Le point suivant a été retiré, comme on l'avait déjà mentionné, donc c'était le point 8.3.2.2. Ça nous amène maintenant au point 8.3.3 en ce qui concerne un règlement de la ville de Saint-Basile-de-Grand. Alors, je vais demander à mon collègue, M. Lessard, de nous en faire part. Merci, M. le Président. Il s'agit donc du règlement U-220 de la ville de Saint-Basile-de-Grand. Ce règlement-là a pour objet d'ajouter des dispositions relatives au pavage, notamment sur les aires de stationnement pour la vente au détail de véhicules automobiles neufs. Or, depuis, le règlement modifie la limite de zonage 151-C, comme présenté ci-dessus. Donc, les maires et mairesses ont devant eux le plan ou d'aménagement pour ce pavage. Donc, étant donné que ce règlement doit avoir l'assentiment de la MRC, donc le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC, donc, fait la recommandation à la MRC. En conséquence, je propose que le règlement U-220-40, modifiant le règlement de zonage U-220 de la ville de Saint-Basile-le-Grand, soit adopté par la MRC de la vallée de Richelieu. Et en fait la proposition, M. le maire. D'accord. Que quelqu'un appuie M. Lessard dans sa démarche? M. Dulac, merci. Merci, M. Dulac. Nous en sommes maintenant au point 8.3.4, un règlement qui concerne la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Alors, je vais demander à mon collègue, M. Bousquet, de nous en faire part, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, par sa résolution numéro 2022-04-089, a adopté le règlement numéro 2022-R285, remplaçant le règlement numéro 2000-R047 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé PIIA. Alors, attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu, selon le règlement numéro 8822, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi. Attendu que ce règlement a pour objet l'adoption de nouveaux règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu qu'à la suite de l'étude du règlement numéro 2022-R285, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC de la vallée du Richelieu recommande au Conseil de l'approuver. Attendu que le Conseil de la MRC de la vallée du Richelieu est d'avis que le règlement numéro 2022-R285 est conforme au schéma d'aménagement et de développement, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, je propose que le règlement numéro 2022-R285, modifiant le règlement de zonage numéro 2000-R047 de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, soit et est approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à appuyer M. Bousquet? Donc, M. Bertillon m'a levé la main. Merci. Merci. Point 9 maintenant, la section qui concerne le développement agricole, culturel, économique, social et touristique. Nous avons un point à discuter au point 9.1 en ce qui concerne le fonds de microcrédit de la vallée du Richelieu. On a eu des demandes de financement juste pour vous situer. La MRC de la vallée du Richelieu, dans le cadre de son plan de développement de la zone agricole, s'est dotée d'un outil financier pour favoriser l'implantation de nouvelles entreprises ou favoriser la transformation d'entreprises là, qui voudraient
se diversifier dans une autre production qu'ils font actuellement. Donc, le microcrédit, il est là. Ça permet à des gens d'aller chercher un crédit intéressant. C'est un crédit remboursable, ce qu'on appelle un crédit à l'honneur. Donc, il n'y a pas de garantie bancaire, qu'on pourrait dire, d'exiger. C'est un crédit qui n'a pas aucun taux d'intérêt, donc qui permet aux gens de démarrer des entreprises agricoles. Et il y a un comité qui est formé, qui a analysé les demandes qui nous sont soumises. Et il y a deux entreprises qui ont soumis des demandes qui se sont avérées correctes en fonction des critères retenus par le comité. Alors, je vous fais part de la résolution pour qu'on puisse ensemble donner accès au crédit à deux entreprises en démarrage là, sur notre territoire. Donc, entendu qu'en avril 2019, la MRC de la Vallée du Richelieu, par la résolution du numéro 19-04-165, a adopté la politique d'investissement de fonds de microcrédit de la Vallée du Richelieu. Attendu qu'à ce jour, le fonds de microcrédit agricole dispose d'un montant de 65 000 $, soit 40 000 $ de fonds de la MRC, 20 000 $ du syndicat local de l'Union des producteurs agricoles et 5 000 $ provenant de Financement agricole Canada. Attendu que par la résolution numéro 21-02-066, le conseil de la MRC a résolu de procéder en collaboration avec le syndicat de l'UPA local à la mise en œuvre du fonds de microcrédit. Attendu que la ferme Surprenante, c'est le nom de l'entreprise, a déposé une demande de financement à la MRC dans le cadre du fonds pour un montant de 10 000 $. Attendu que le comité du fonds de microcrédit a analysé la demande et a conclu que celle-ci respectait les critères d'admissibilité établis à la politique du fonds. Alors, si vous êtes d'accord, il sera résolu d'accorder à la ferme Surprenante une aide financière au montant de 10 000 $ dans le cadre du fonds de microcrédit de la Vallée du Richelieu, ainsi que d'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout document utile et nécessaire, incluant une convention de financement ainsi qu'une entente avec les partenaires du fonds de microcrédit agricole de la Vallée du Richelieu. Quelqu'un fait la proposition, M. Bousquet, appuyé par M. Cormier. Donc, je vous avais annoncé qu'il y avait deux entreprises. Là, on va faire la résolution pour la deuxième. Donc, il y a un peu de répétition, mais on se doit légalement de les lire. Attendu qu'en avril 2019, la MRC de la Vallée du Richelieu, par la résolution numéro 19-04-165, a adopté la politique d'investissement du Fonds de microcrédit agricole. Attendu qu'à ce jour, le Fonds de microcrédit agricole de la Vallée du Richelieu dispose d'un montant de 65 000 $, soit 40 000 de la MRC, 20 000 du syndicat local de l'Union des producteurs agricoles et 5 000 de Financement agricole Canada. Attendu par la résolution numéro 21-02-66, le Conseil de la MRC a résolu de procéder en collaboration avec le syndicat de l'UPA à la mise en œuvre du fonds. Attendu que l'entreprise suivante, qui s'appelle Ferme la tête ailleurs, a déposé une demande de financement à la MRC dans le cadre du fonds pour un montant de 10 000 $. Attendu que le comité du fonds a analysé la demande et a conclu que celle-ci respectait les critères d'admissibilité établis par la politique du fonds. Alors, toujours si vous êtes d'accord, il sera résolu d'accorder à la ferme la tête ailleurs une aide financière au montant de 10 000 $ dans le cadre du Fonds de microcrédit agricole de la Vallée du Richelieu, d'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout document utile et nécessaire, incluant une convention de financement ainsi qu'une entente avec les partenaires du Fonds de microcrédit agricole de la Vallée du Richelieu. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? M. Marquès, appuyé par Mme Lucier. Merci. Alors, ça fait plaisir de voir qu'il y a des entreprises nouvelles qui veulent s'installer chez nous. Ça dynamise la zone agricole. 9.2 maintenant, le
le volet qu'on appelle social. Alors, une résolution concernant l'Alliance pour la solidarité, c'est le dépôt d'un projet qui s'appelle « Bâtir ensemble ». Je vais demander à mon confrère, M. Bertion, de nous en faire la lecture. Alors, je vous fais la lecture du projet de résolution. Attendu que la MRC de la vallée du Richelieu, par la résolution numéro 20-01-028, a adopté le plan d'action de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie du territoire de la MRC de la vallée du Richelieu. Attendu que le Fonds québécois d'initiative sociale est un des leviers financiers utilisés pour réaliser les projets identifiés dans ce plan d'action. Attendu que le regroupement pour le développement social de la vallée a priorisé l'habitation à la suite de l'élaboration de ce plan d'action. Attendu que le groupe de ressources techniques de la Rive-Sud, en collaboration avec les organismes du milieu, souhaite déposer une demande pour un projet en habitation, Bâtir ensemble, dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie. Attendu que le conseil de la MRC de la vallée du Richelieu a la responsabilité de recommander les projets soumis afin que ceux-ci soient présentés à la table de concertation régionale de la Montérégie, mandataire régionale de l'Alliance. Attendu que cette recommandation est la dernière étape donnant accès au financement via le FQIS. En conséquence, je propose qu'il soit résolu d'approuver le projet Bâtir ensemble et de le recommander à la table de concertation régionale de la Montérégie, lequel répond aux objectifs du plan d'action de l'Alliance pour la solidarité, excusez-moi, de la Montérégie du territoire de la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, merci. Est-ce que quelqu'un a appuyé M. Bertion? Oui, M. Gartin, vous l'appuyez. Merci. Ça nous amène au point 9.2, qui est une résolution pour l'adhésion à l'organisme Espace Muni. Alors, je vais demander à ma collègue, Mme Mélanie Villeneuve, de nous en faire part, s'il vous plaît. Oui, merci, M. Teasdale. La MRC de la vallée du Richelieu souhaite favoriser le développement de sa communauté. Il y a l'organisme Espace Muni, qui est un joueur incontournable pour les municipalités et les MRC qui veulent un accompagnement, des outils, de l'inspiration en vue d'offrir à leurs citoyens et citoyennes un milieu de vie sain, actif, solidaire, inclusif et durable. Par exemple, l'Espace Muni là, accompagne la MRC de la vallée du Richelieu là, avec la démarche municipalité Amis des aînés. Attendu que l'adhésion au programme de membrariat d'Espace Muni comporte plusieurs avantages pour la MRC de la vallée du Richelieu. Attendu qu'un montant relatif à l'adhésion de la MRC à Espace Muni a été prévu dans le budget 2022 de la MRC. En conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser l'adhésion de la MRC de la vallée du Richelieu à Espace Muni afin d'en devenir membre et d'autoriser Mme Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la vallée du Richelieu tout document permettant de compléter et confirmer l'adhésion de la MRC de la vallée du Richelieu à Espace Muni. Donc, j'en ferai la proposition. Est-ce que quelqu'un appuie Mme Villeneuve? Mme Dubois. Merci. Alors, Mme Villeneuve, vous avez bien fait ça. On va vous en faire un autre. Le point suivant, qui est 9.2.3, concernant ce qu'on appelle les municipalités amies des aînés. Oui, merci. Donc, nous sommes en démarche, là, municipalité amies des aînés régionales. Et puis, on a un accompagnement aussi pour 5 municipalités présentement. Donc, je fais la lecture de la résolution. Attendu que la demande d'aide financière déposée par la MRC de la vallée du Richelieu au secrétariat aux aînés, réalisée conjointement avec 5 municipalités locales qui la composent, soit Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belleuil, pour l'élaboration d'une démarche collective municipalité amie des aînés, a été acceptée le 22 décembre 2020. Attendu que la ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite se joindre à la démarche collective MADA de la MRC de la vallée du Richelieu. Attendu que la MRC de la vallée du Richelieu doit fournir une résolution mentionnant son accord à réaliser la démarche MADA pour la ville de Saint-Basile-le-Grand. Attendu que la ville de Saint-Basile-le-Grand devra adopter une résolution indiquant qu'elle souhaite réaliser la démarche MADA sous la coordination de la MRC. Attendu que la ville de Saint-Basile-le-Grand devra adopter une résolution pour constituer un comité de pilotage local afin de réaliser la démarche pour créer une politique et un plan d'action.
attendu que la Ville de Saint-Basile-le-Grand devra adopter une résolution désignant la personne élue responsable du dossier aîné. En conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser la Ville de Saint-Basile-le-Grand à se joindre à la démarche collective municipalité Amis des aînés de la MRC de la vallée du Richelieu et d'ajouter l'élu responsable du dossier aîné du Conseil de la Ville de Saint-Basile-le-Grand à titre de membre au sein du comité de pilotage régional MADA. J'en ferai la proposition. Merci. Est-ce que quelqu'un appuie Mme Villeneuve? Monsieur Lessard, appuie. Surprenant. Surprenant. Merci, Mme Villeneuve, d'ailleurs. Mais là, ça vous donne des devoirs à faire. Là. Pardon? Maintenant, vous avez certains devoirs à faire chez vous. Les nominations sont déjà faites. Hein? OK. Parfait. On a pris les devants. C'est bien. On sait que vous êtes rapide. Oui. Pris les devants. Merci. 9.2.4, maintenant, une résolution concernant un projet de périnatalité sociale. Je vais demander à ma collègue, Mme Lucier, de nous en faire part. Oui. À la suite d'un appel de projet en périnatalité sociale au centre... du Centre intégré en santé aux services sociaux de la Montérégie-Est et d'une recommandation de leur part de faire un projet interterritoire, les organismes Le Berceau et la Maison de la famille de la vallée du Richelieu se sont associés à un organisme du territoire de la MRC des Mascoutins et de la MRC d'Acton. Ils ont été sélectionnés et ont obtenu la subvention en périnatalité sociale. Cependant, l'organisme communautaire fiduciaire, le Grand Galop, a décidé de faire le projet sans l'implication des organismes communautaires. Cette situation occasionne des inconvénients importants pour les familles vulnérables du territoire de la vallée du Richelieu qui doivent se rendre à Saint-Hyacinthe pour obtenir des services. Plusieurs tentatives ont été faites afin de trouver un terrain d'entente avec le Grand Galop et le Centre intégré. Lors de la dernière rencontre du regroupement pour le développement social de la vallée du 19 avril 2022, les organismes communautaires Le Berceau et la Maison de la famille ont demandé l'appui des partenaires siégeant à cette table de concertation concernant les démarches auprès du Centre intégré en santé et services sociaux de la Montérégie-S en lien avec le projet en périnatalité. Alors, la résolution, attendu que le projet en périnatalité sociale concertée et déposée au Centre intégré en santé et services sociaux de la Montérégie-S par des organismes communautaires du territoire de la MRC d'Acton, des Mascoutins et de la vallée du Richelieu, ne représente plus à ce jour les modalités de celui-ci initialement soumis. Attendu qu'il est important que les familles plus vulnérables du territoire de la vallée du Richelieu reçoivent les services sur leur territoire de résidence. Attendu que la MRC de la vallée du Richelieu a reçu une demande d'appui de la part des organismes communautaires Le Berceau et la Maison de la famille de la vallée du Richelieu en lien avec les demandes du Centre intégré dans le cadre de la périnatalité sociale, attendu que la MRC de la vallée du Richelieu souhaite appuyer les organismes communautaires de son territoire. Alors, je propose d'appuyer les démarches des organismes communautaires Le Berceau et la Maison de la famille de la vallée du Richelieu quant à leur demande auprès du Centre intégré en santé ou services sociaux de la Montérégie-S en lien avec le projet de périnatalité sociale, de fournir une lettre d'appui à cet effet aux organismes Le Berceau et la Maison de la famille de la vallée du Richelieu, d'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfet, à signer pour et au nom de la MRC de la vallée du Richelieu, la dite lettre d'appui. Merci. Quelqu'un apparaît, Mme Lugier, M. Marquez appuie. Merci. Ça nous amène au point 10, section environnement, 10.1, un projet d'augmentation de la capacité de notre... usine qui fabrique du méthane, qu'on appelle Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, mieux connue sous le nom de CEMEX. Alors, je vais demander à mon collègue, M. Dulac, de nous en faire part, s'il vous plaît. Merci, M. le préfet suppléant. Donc, comme vous l'avez mentionné, des travaux importants ont cours actuellement à l'usine de biométhanisation de la CEMEX. Donc, dans ce contexte, la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu se doit d'entériner certains travaux. Donc, c'est en vertu de la loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal. Donc, les membres du Conseil des maires ont reçu la liste
des travaux ainsi que le détail des appels d'offres. Donc, plusieurs contrats vont être octroyés et nous devons, comme je le mentionnais, d'entériner ces contrats. Donc, je vais nommer la liste des entreprises très rapidement. Donc, il s'agit de Construction Sorel, le groupe EFC, JP Lessard, Construction Sorel Limitée, Structure Simcon Incorporée, Lumen, Vitrerie Landry, le groupe EFC, Excavation ESM, Franklin Empire, Lumen, Suez Water et Technologies, Construction Sorel, Thermopro, Toiture Bro, Aircon, Chillers Inc., Construction Sorel Limitée, Airzen Canada et Andlum. Donc, il est proposé, conformément à la loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal, d'entériner les 10 contrats avec la Société d'économie mixte de la Couronne-Sud. Donc, j'en fais la proposition, j'aurais besoin d'un appuyeur. Oui, quelqu'un appuie M. Dulac? M. Lessard appuie. Merci. Nous sommes rendus maintenant au point 10.2. Tantôt, on a été interpellé pour savoir si on était préoccupé par la conservation de l'environnement, l'amélioration. Alors, voici un beau projet qui démontre la volonté de la MRC vraiment de s'impliquer dans la protection de l'environnement. Il s'agit d'un projet de récupération et de recyclage des thermoplastiques d'entreposage de bateaux en Montérégie. Et je vais demander à mon collègue, M. Gertin, de nous en faire part, s'il vous plaît. Merci. Alors, en effet, il s'agit d'un gisement de plastique intéressant et donc, il est de notre responsabilité de tenter de le valoriser. Alors, la résolution se lit comme suit, Monsieur le Préfet suppléant. Donc, la gestion, attendu que la gestion des thermoplastiques de bateaux fut identifiée comme un enjeu régional prioritaire par les membres du comité de gestion de l'entente sectorielle de développement pour la concertation régionale au sein de la région administrative régionale 2018-2022. 2022, tandis que le projet de récupération et de recyclage des thermoplastiques d'entreposage de bateaux en Montérégie est appelé à couvrir 10 territoires de MRC et que l'ensemble des territoires de la région pourraient s'y greffer durant la phase de réalisation, attendu que le projet satisfait en tout point les critères d'économie circulaire, attendu que le projet est éligible à une subvention volet 1 du Fonds régional, Fonds Région et Ruralité à titre de projet structurant et que Recyc Québec pourrait également contribuer à travers l'appel de projet du programme de soutien au développement des débouchés d'innovation technologique pour le traitement des matières résiduelles au Québec, tandis que le montant de la contribution financière des MRC pour l'année 1 est établi en fonction du prorata des boîtes qui seront nécessaires à la collecte des thermoplastiques de bateaux au sein de leur territoire, tandis que le projet s'appuiera sur une contribution financière de 14,8 % de la valeur totale du projet par les générateurs, Marina et Commerce, au cours de l'année 2 et de l'année 3. En conséquence, je propose qu'il soit résolu d'engager la MRC de la Vallée du Richelieu à verser une contribution financière estimée à 430,27 $ seulement, pour la collecte de l'année 2022 dans le cadre du projet de récupération et de recyclage des thermoplastiques d'entreposage des bateaux, conditionnellement à l'obtention d'une aide financière du Fonds Région et Ruralité couvrant 80 % des coûts du projet. Alors, quelqu'un appuie. M. Bousquet appuie. Merci. Alors, vous voyez, c'est un autre geste concret que la MRC pose pour la protection de l'environnement. Même si ce n'est pas un gros montant, c'est, je pense, l'accumulation de tous les petits gestes qu'on peut faire à nos niveaux qui permet globalement d'obtenir des résultats très positifs pour l'environnement. Alors, on continue avec le point 11, sécurité, incendie et civil. On n'a rien à cet item-là ce soir. Également, nous n'avons rien au point 12 qui concerne la réglementation. Ça nous amène au point 13 au niveau des ressources humaines, une résolution pour confirmer la fin de la période de probation d'emploi d'une personne qui est au service de développement agricole, culturel, économique, social et touristique. Il s'agit de l'employé numéro 1290. Donc, les membres du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu sont soumis pour une période de probation de 6 mois, telle que le prévoit le manuel du personnel et la lettre de confirmation des conditions d'emploi remises à chacun lors de leur embauche. Attendu que M. Jean-Philippe Blouin, donc c'est lui le numéro 1290, a été embauché le 1er novembre 2021 et par l'adoption de la résolution numéro 21-10-345,
attendu que M. Blouin a été convié à une rencontre d'évaluation de rendement avant la fin de sa période de probation, attendu qu'à la suite de la recommandation de sa gestionnaire, M. Jean-Philippe Blouin a complété avec succès sa période de probation. Alors, je vous propose que M. Jean-Philippe Blouin soit confirmé dans son emploi permanent à titre d'agent de développement agricole et bioalimentaire et que la lettre intitulée « Confirmation à un emploi régulier » confirmant l'emploi et le statut permanent soit transmise à M. Jean-Philippe Blouin. Est-ce que quelqu'un m'appuie dans cette démarche? M. Lessard m'appuie. J'ai le droit de faire ça? J'ai pas le droit. Ah, je voulais en faire une. Donc, M. Lessard, vous proposez quelqu'un appuie à ce moment-là? M. Marquez. Hey, Colin, vous n'avez pas de latitude. Ensuite, point 14, des sujets devant faire l'objet de la décision du Conseil, on n'a rien à cet item. Et nous n'avons pas non plus au point 15 de demande d'appui, ainsi que rien d'inscrit au divers. Nous sommes rendus maintenant à l'autre période d'intervention de l'assistance. Alors, s'il y a quelqu'un dans la salle, ensuite, on prendra s'il y a des questions en ligne. Monsieur Bernard. Ce soir, il y a quelqu'un dans cette salle qui est très, très, très fier. Il n'ose pas le dire. Son idée a abouti. Ce monsieur Normand. Enfin, ça a pris 3 ans. Puis c'est ce soir qu'on a un premier crédit voté pour ce projet, que vous fussiez à l'origine, dont j'en suis très fier d'y avoir un tout petit peu contribué. Alors, je suis vraiment fier de vous. Je suis vraiment content. Alors, merci. J'aimerais partager ça avec tout le monde, que vous sachiez que ce que vous avez adopté ce soir, vous avez fait plaisir à quelqu'un. Mais on ne sait pas vous le dire. Non, mais c'est correct. C'est vraiment... C'est vrai. Ouais. Merci c'est beaucoup beau. À tout le monde. Merci, M. Bernard. C'est des gestes comme ça qui font la différence, en effet. D'accord. Est-ce que, Mme Hamel, on a reçu des questions? Aucune question pour ce soir. Donc, ça prendrait maintenant quelqu'un pour la clôture. Monsieur Bousquet, appuyé par Madame Trudel. Merci à vous tous. Bon retour. Bonne fin de soirée. Merci.